Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le numéro 6 qui portera sur la découverte de l'interface de Blender. Qu'allons-nous découvrir dans cette vidéo? Nous allons faire un petit tour du propriétaire, mais sans pour autant rentrer dans les détails. Le but est de vous expliquer les parties qui me paraissent les plus importantes. Puis, de fil en aiguille, on apprendra à appréhender ce logiciel. Ne dit-on pas, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Même si Blender est une usine à gaz, on peut malgré tout découper celui-ci en plusieurs parties, afin de comprendre les mécanismes ou les rouages de ce superbe bijou. On aura en premier le menu Info, où l'on trouve les informations sur l'objet sélectionné, les préceptes et ainsi de suite. Le Viewport, là où on trouve votre ou vos objets, avec aussi en prime la caméra et les lumières. On aura deux étagères, Tools et Propriétés. Tools servant aux outils permettant de manipuler, transformer le ou les objets. Propriété permettant de changer une dimension, verrouiller un élément, afficher ou non la grille, et plein d'autres options que nous verrons au fur et à mesure. Ensuite, on aura la timeline qui servira à l'animation de vos objets. L'éditeur type permettant de passer d'un mode à un autre. La plus grosse partie sera celle de droite, où l'on retrouve la quasi-totalité des outils permettant de faire des merveilleux objets. Bon, je vous sens impatient. Donc sans plus attendre, regardons cela dans Blender. Donc nous voici dans Blender. Alors comme je vous disais ici, on va accéder au menu Info, où vous allez pouvoir faire une nouvelle selle, ouvrir quelque chose de récent, s'il y aura un fichier récent, restaurer, sauvegarder dans une directory. Bon, je ne vais pas tout vous énumérer parce que ça n'aura aucun intérêt pour l'instant. Je veux simplement faire, comme je disais, un petit tour de l'interface. Ici, vous avez les rendus, soit le rendu par image, soit le rendu par animation avec de l'OpenGL ou pas. Ici, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment transformer votre viewport. Alors, le viewport, c'est cet endroit-là, afin d'avoir par exemple quatre fenêtres. Par exemple, une vue de dessus, une vue de face ou une vue de côté, et ainsi de suite. Ici, c'est une chose assez intéressante, c'est les préceptes. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a par défaut, on est justement sur Default. Si vous allez par exemple dans UV Editing, vous allez tomber sur un précepte préétabli qui vous expliquera comment faire un dépliage UV. C'est-à-dire que là, quand vous allez plaquer votre texture, là aussi, hein, je vous expliquerai tout ça, bien évidemment, quand vous allez plaquer votre texture, on se servira de ce petit précepte. Vous en avez d'autres, hein, vous avez aussi le précepte de l'animation qui vous permettra de voir comment faire une animation avec les différents trucs. C'est le dump sheet ici. Vous avez différents éléments. Chaque fois, si vous voulez, c'est préconfiguré pour que vous puissiez travailler avec. Donc, on va se remettre par défaut en default. Voilà. Ici, vous avez le moteur de rendu. Alors, moi, très souvent, je travaille avec le Blender Cycles. Enfin, le Cycle of Render, pardon. Vous avez le Blender Render qui est le moteur de rendu natif de Blender. Et le Blender Game qui est pour ceux qui veulent faire des jeux. Quelque chose de très intéressant, vous avez la version 218, donc c'est la version de Blender. Donc ici, vous avez le nombre de vertices, de faces, vous avez un objet qui vous dit que vous avez un objet 1 sur 3. Pourquoi 3 objets? Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, ici, vous avez votre lampe et la caméra qui est ici. Par défaut, dès que vous allez faire ici File, New Fichier, regardez, je vais le refaire, hop, automatiquement, on aura une lampe par défaut, une caméra et un objet. En l'occurrence, c'est un cube. Donc vous voyez l'appareil ici. Il vous dit que ça prend 17 mégas de mémoire et votre objet se nomme cube. Si je clique sur la caméra, ça va être marqué caméra. Si je clique sur la lampe, ça va être marqué lampe et ainsi de suite. Alors ici, vous avez vu, on avait ça des étagères. Donc on va pouvoir le faire disparaître par T. T, vous le faites disparaître. T, vous le faites apparaître. Et de l'autre côté, vous avez N, c'est les propriétés en fin de compte de votre objet. Vous voyez, si je clique dessus, on a différentes informations. On va pouvoir modifier directement ici, si on veut être précis, à la fois la rotation, le scale, c'est-à-dire le redimensionnement, le déplacement, et ainsi de suite. Et ici, par contre, ce sera plutôt transformer votre objet, faire un effet miroir, enfin, vous avez plein de choses, hein, et là, rajouter vos informations, en fin de compte, hein, ce qu'on appelle des primitives. Là aussi, bien évidemment, on verra ça plus tard, comment rajouter une primitive, comment ajouter un curve, ajouter une lampe, et ainsi de suite. Vous voyez, ici, on a différentes informations, les relations, les animations pour les clés. Ici, vous avez tout ce qui concerne les rigibodies, c'est-à-dire ça va être sur... par exemple, si une balle tombe, est-ce qu'on veut que la balle traverse l'objet qui est en dessous ou rebondisse dessus, et ainsi de suite.
Ici, le Grease Pencil, c'est simplement un stylo tentant, vous verrez, je l'utiliserai pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est par exemple, je pourrais faire des annotations, des choses comme ça. Voilà. Alors, revenons maintenant. Alors, comme je vous disais ici, dans le deuxième onglet, ce que je appelle la deuxième étagère, vous aurez différentes informations. Vous pourrez, par exemple, faire disparaître le display. Si vous voyez, on a les axes X, Y et Z. Ensuite, ici, vous avez donc la timeline. La timeline, très intéressante, ça permettra justement de gérer l'animation. C'est-à-dire, vous pourrez, par exemple, on fera plus tard une petite animation, on fera déplacer notre cube pour vous montrer qu'on peut faire rapidement une animation. Alors ici, vous avez un élément très intéressant, c'est que vous voyez ici, on a un 3D View, mais vous pouvez par exemple passer en mode, on va dire, allez, Node Editor. Alors Node Editor, ça vous permettra, lorsque vous travaillez dans le moteur de rendu Cycle, de pouvoir éditer vos matières. Vous n'avez pas que ça, hein. Vous allez aussi par exemple, tout ce qui est l'édition de UV Map, comme je vous expliquais tout à l'heure au niveau des textures. Alors c'est sûrement compliqué pour l'instant, j'en conviens, hein, mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant je vous fais vraiment un tour d'horizon, rien de plus. Alors ici vous verrez qu'à chaque fois qu'on va sélectionner bien évidemment quelque chose, ici vous voyez ça change. C'est tout simplement en relation, hein. Vous voyez si je prends une Logic Editor, hop je tombe sur, il n'y a presque rien. Si je reviens en 3D View, j'ai plein de choses intéressantes. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, hein. On essaiera de détailler au plus ou au maximum les informations, vous voyez on a même des calques et tout, enfin... Continuons. Alors, on va faire en sorte de faire disparaître les fenêtres. Voilà. Donc ici, alors là, c'est vraiment la partie la plus intéressante, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc cette grande partie, avant que je finisse pour, par rapport à celle-là, cette grande partie, c'est ce qu'on appelle le viewport, pardon. Donc le viewport, vous y trouverez, comme je disais tout à l'heure, le cube, la caméra et la lampe. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le outliner. Alors le outliner, vous allez vous trouver les différentes informations, en l'occurrence le monde. Donc le monde, vous pouvez définir, on verra ça plus tard, un ciel bleu, mettre carrément une texture, vous aurez votre caméra, votre objet donc qui, vous voyez, il est considéré par un cube, ce cube a déjà un matériel par défaut, et ainsi de suite. Et c'est là que c'est très intéressant, vous voyez, c'est tous ces petites icônes. Là, vous avez le rendu, donc vous pourrez faire votre rendu final. Et si je clique ici, on aura de suite un rendu final. Bon, rien de beau pour l'instant. Ici, vous aurez donc la gestion des calques. Vous pourrez faire un truc très intéressant. Ici, vous aurez la gestion au niveau de votre scène. Là, ce que je disais, c'est le world, c'est-à-dire c'est votre monde. Vous pourrez créer un ciel, enfin, vous pourrez faire plein de choses intéressantes. Ici, vous aurez la gestion au niveau de votre objet lui-même. Vous pourrez le renommer, enfin, vous pourrez faire des choses aussi très intéressantes au niveau de votre objet. Ici, les contraintes, c'est-à-dire que vous pouvez définir une contrainte. Ça marche très souvent dans l'animation, par exemple quand vous allez créer un personnage et vouloir animer les doigts, la tête, et ainsi de suite. Quoi. Très très intéressant, les modifiers. Alors là, on s'en servira, je vous ferai un cours complet là-dessus, afin de vous expliquer chaque modifier, à quoi il sert. Et vous verrez qu'on se sert, pas de tous bien évidemment, mais de pas mal, et ça va bien nous aider. Ici, vous aurez donc ce qu'on appelle le data. Alors le data, en fin de compte, vous allez pouvoir faire des vertex groupes. Alors les vertex groupes vont être utilisés par exemple pour quand vous allez créer de l'herbe, vous allez pouvoir définir à un endroit, ben là je veux pas de l'herbe, ou sur une tête de personnage, vous allez pouvoir dire ben non là je veux pas, là je veux qu'il ait des cheveux, là je veux pas, bon et ainsi de suite. Shape Key, ça sera tout simplement, par exemple prenons le cas d'un personnage qui sourit ou qui fait la tête, vous pourrez faire deux Shape Key, un qui sourit, un qui fait la tête. UV Maps, vous pourrez faire donc des textures entre guillemets animées. Tout ça, je vous l'expliquerai, hein, mais bon, bien plus tard. Très intéressant, c'est donc ici. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir très rapidement mettre de la couleur. Vous voyez, si je clique ici et je me mets en rouge, mon cube est maintenant en rouge. Bon, là aussi, ça dépendra de votre moteur de rendu. C'est-à-dire que là, on est en Blender Render. Moi, je pense que je vous expliquerai directement. Je vous ferai peut-être une petite passe sur le moteur de rendu Blender Render, mais je vous expliquerai plus simplement le moteur de rendu Cycles, qui me paraît beaucoup plus intéressant. Ça dépendra de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Ici, vous aurez donc l'ajout de texture, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un matériau, ce qu'on appelle un shader, mais vous pourrez aussi mettre une texture. Par exemple, vous pouvez dire, ben, il va être marron, mais à côté, je vais mettre une texture style bois ou roche, et là, vous aurez un effet assez intéressant. Ça, c'est la gestion des particules. Alors, la gestion des particules, ça sera utilisé, par exemple, si vous voulez faire tomber de la pluie, ou comme moi, il y a un moment, j'avais fait une photo, où vous avez une assiette avec des petits pois. Vous pouvez gérer ça avec ça. Vous pouvez gérer aussi l'herbe, ça sera fait avec les particules, les cheveux, et ainsi de suite. Et pour finir, ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle les... Donc là, c'est la gestion, c'est tout ce qui est simulation. On va pouvoir gérer une collision,
du vent, un vêtement qui va flotter, Dynamic Paint, donc ça on verra ça plus tard. Vous avez des choses très intéressantes, ça vous expliquera comment faire par exemple faire tomber de l'eau dans un bol, créer un feu avec une explosion et ainsi de suite. Mais là, on rentre vraiment dans un domaine assez complexe et ce ne sera pas maintenant. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc un petit tour rapide de Blender, hein. Bien évidemment, c'était pour vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Il y a énormément d'informations, vous allez voir. Je ferai en sorte de faire des vidéos qui seront, si vous voulez, thématisées, afin qu'on puisse bien comprendre chaque élément, comment ça fonctionne. Il est important de bien comprendre les bases avant de commencer à complexifier la chose. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur comment diviser votre écran en plusieurs parties. Comme vous avez pu voir ici, on a une espèce de petit... on a plein de petits traits qui sont mis obliquement. Et ça va permettre de diviser votre viewport en plusieurs parties. Je vous expliquerai ça dans une vidéo à part, afin que vous compreniez bien comment ça fonctionne, car c'est un élément très important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.